Et bonsoir à tous! J'espère que ça va bien! On est de retour sur le Stark! Bon, alors je m'excuse par avance, j'ai un petit peu joué à votre absence. Le but c'est quand même d'arriver au level 50 pour pouvoir vous proposer des vidéos. Donc hier, quand on s'est arrêté, on était niveau d'aventure, enfin niveau d'exploration 1. Et on était niveau 11, je suis niveau d'aventure, d'exploration 5, et je suis level 19. Donc j'ai joué un petit peu. J'ai joué un peu. Qu'est-ce que vous avez raté? En fait, pas grand-chose, on a foutu sur la gueule au méchant, vous savez, le mec hyper classe là qu'on avait vu. Donc on a vu le mec hyper classe, du coup je l'ai on l'a pas défoncé, il s'est barré. Du coup on l'a suivi et on est toujours à la recherche de l'arche. Voilà, vous n'avez rien raté de spécial au niveau du truc. On est parti en fait. On a quitté la ville de départ. Vous voyez, on a quitté la ville de départ et puis on est en train de foutre sur la tronche à des méchants au milieu du désert. Le maître que vous recherchez là-bas. Dans un désert de sel. Je précise, c'est du sel par terre. Donc ça, ce sont les récompenses que vous pouvez obtenir avec Twitch, pour ceux qui ont Twitch Prime. C'est bon, ça a tout ramassé? Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On a une carte au trésor, les gars. Grotte démoniaque de Solitaire Inns, colline de Saland. Il y a un endroit secret, on va essayer d'aller le faire. Comment on a gagné ça? Ah yes. On peut choisir ce qu'on veut en plus. Il n'y a pas de durée, cool. Alors attends, si on se réfère à la carte, pour voir notre machin là. Donc ça serait où? C'est par là, on est d'accord. Hein. Donc ça serait ici. Ça tombe bien, on est juste à côté. Allez, on est parti. Je vais laisser ça ouvert pour qu'on ait bien en visu tout. Ah ouais, non, mais alors là, le jeu, par contre, je cherche. On est juste à côté, non? Attendez, mais j'ai pas dit que c'était là? Attendez, mais j'ai des problèmes de vision ou... Non, ça a pas l'air d'être là, hein. Ah non, c'est là-haut, regardez, c'est là. On était à côté, en fait. Ah, shit, on était à côté. Oh non, mais la barrière qui se reconstruit, quoi. Sérieusement. Ok, donc c'est par là. Colline de Saland, voilà. Donc, on a dit, c'est... Faut monter encore. C'est par là. Mais on va les défoncer vite fait. Thank you.
En fait, j'ai joué solo simplement parce que je voulais prendre l'habitude de des commandes en fait. C'est surtout pour ça. Alors, attendez, on ressort la petite carte là. C'est là, non? Ça, c'est là. On l'a trouvé! Comment ça, c'est de l'instancier? C'est-à-dire, c'est de l'instancier. Oui, de l'instancier. Qu'est-ce que tu entends par là? Non, je suis pas solo, je suis avec plein de monde. Oh putain! Oh, ils sont tellement faibles! Ok, j'ai rien dit. Il est peut-être pas si faible que ça en fait. Oh putain, on est dans la nuit! Oh là là! Allez, au revoir. On va défoncer. Donc là, il est dans une zone secrète. Donc moi, j'aimerais bien que dans les zones secrètes, il y ait des objets sympas. Attends, mais c'est tout ce qu'il y avait? Mais il n'y avait rien! À part le boss, je sais pas qu'il a donné un truc sympa. Ah oui! On a chopé un anneau stylé. En vrai, j'en ai d'autres, des cartes de zones secrètes. Faudra retourner dans les anciennes zones pour les faire. J'en ai deux autres. Ah donc en fait ce que vous voyez par terre c'est du sel hein. On ne marche pas sur la terre, on marche sur du sel. Est-ce qu'on a des trucs dans Expédition? Ah ouais, titre. Démon. Bien ça, démon. Non, ouais, c'est fond la trésorerie quand même. Quelqu'un de sympa. La guilde, on en est où? Bon, on n'est pas dernier. Il y a Elno qui est en train de jouer. Elle est là. On n'est pas dernier. Il y a combien de personnes qui ont plus que nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 7ème de la guilde. Un indice sur Morai. Je le savais. Les monuments étaient dédiés aux ruines de Morai. On cherche des ruines en fait pour aller jusqu'à l'arche. Ce n'est que le commencement. Voilà. Pour vous situer le truc. Oh non, on s'en fout. Hein. Nous, littéralement, il n'y a que la baston hein, qui nous passionne. Hein. Oups. Ah, il faut y aller plein de salé. Ah, on connaît ça. Ça va remplacer le Let's Play Salty Platinum. Nous étions en route pour le rassemblement nomade. Ils ont emmené tout le monde. Ils ont emmené tout le monde. Bah nous on tue tout le monde. Réville doit savoir.
Par contre, c'est beau, hein. Honnêtement, c'est beau derrière. Hein. C'est ultra clean. Vous cherchez Tonnerre ? Elle a été enlevée par... Nous cherchons Tonnerre, what ? Je vous en prie, sauvez les nomades. On cherche le Tonnerre. Ah, il s'appelle pas Tonnerre, il s'appelle Petit Tonnerre. Venez qui arrive. J'aimerais qu'on arrive à monter niveau 20 ce soir, comme ça on aura notre dernière compétence. Celle qu'on n'a pas encore eue. Il a grandi, ça fait 10 ans. C'est peut-être ça, en effet. Vous avez vu, on a un petit lapin qui nous suit maintenant. Vous êtes avec les bandits? Je parie que non. J'étais un bandit auparavant. Maintenant, je soupçonne tout le monde. J'étais un bandit auparavant. Ah bah c'est sûr que t'as pas du tout la gueule de Mandy là actuellement. Dans le pack fondateur, il y avait un familier, mais c'était pas lui. Lui, c'est celui que t'as dans la quête classique. Ça fait si mal ce coup par contre. Alors, il est où le petit bonhomme qui on doit apporter? Là-bas, parfait. Oh, des bandits! Est-ce que c'est pas beaucoup mieux de défoncer des humains que de défoncer des... que de défoncer des animaux quand même? J'ai un profond respect pour les animaux, moi. Je tiens à le dire. En tout cas, je regrette pas d'avoir pris la démoniste, hein. C'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé, démoniste. On a pas les trucs à mettre dans notre... Si on a ça, on a ça, on a ça. Ah, on est niveau d'aventure 6. On a une chope de bière. On a une chope de bière dans notre inventaire. Arrêtez. J'ai un profond respect pour les animaux. Deux secondes après, détruis les animaux. Fallait pas dire. Je suis trompé de touche. Ma faute. Merci. Coffre de sélection de combat. Ah d'accord, on finit la quête et il nous en donne une en plus. Attendez, on a plus un truc. Coffre de sélection de combat. Oh. Ça c'est le truc que tu gardes. En vrai ça on va y foutre dans un... On y mettra dans le coffre. Bah du coup on va pouvoir utiliser ce pourquoi le familier existe. En gros le familier permet d'avoir accès à sa réserve sans être en ville. Donc c'est CTRL L je crois. Alt L. Raté. Alt M. Raté. Salut Ice. Comment c'est déjà? Expédition. Putain, c'est rendu. C'est comment déjà? Attends, c'est Alt quelque chose. Contrôle.
Alt V. Ah, c'est, ça c'est pour l'aventure. Alt P. Ah, voilà. Vous voyez, du coup, on a accès à la fonction réserve à distance. Et du coup, on peut transférer les objets dans notre réserve comme si on était dans la ville. Du coup, tout ce qui est coffre, machin, on va tout foutre dedans. Ce dont on a besoin actuellement, en fait, hein, concrètement. Hop. Alors celui-là, il a l'air de vouloir. Hop. Du coup, c'est très pratique, les familiers. Je vous conseille d'en avoir un. Il peut aussi réparer l'équipement en cours. Lire le courrier. Enfin, il peut tout faire. En gros. Voilà, et du coup, maintenant, on a un inventaire moins plein. Encore des pièces. Vous savez que je m'en sers jamais des pièces. Mais ça fait une fois pour acheter l'arme qu'on a en ce moment. Et c'est tout. Ces petits cœurs là, on en obtient plein. Ces petits cœurs, on en obtient plein. Mais je sais pas dans quel marché on peut les dépenser. Je sais pas où on peut les dépenser. En fait, les mecs, j'ai travaillé pour vous aujourd'hui. À midi, vous avez eu... vous avez eu la vidéo de Lost Ark hier. Donc le replay. Demain midi, vous aurez le replay d'aujourd'hui. Mais ce soir, vous avez une vidéo Warframe. On reprend les récaps aujourd'hui. J'avais arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de contenu pour le faire, mais là, du coup j'ai recommencé. Donc vous avez une vidéo Warframe ce soir. Kamehameha! Hop. Putain, on est bientôt niveau 10, on est bientôt niveau 20. On est bientôt niveau 20. Bon, par contre, faut que personne l'ait tué avant nous. Non, c'est bon, elle est là. Ah, il est là. Allez, zou. On les défonce ça quand même hein. La madame, elle devrait être morte depuis le temps que je me bats. Hein. Alléluia! On est monté au niveau!
Et au niveau 20, il y a des nouvelles compétences. Alors, nouvelles compétences, c'est parti. Chaîne broyeuse. Oh. On va mettre ça à la place de croix brutale. Hop. Ah, ça qu'on peut l'améliorer. Hey! Oh, ça a l'air super fort. Ça a l'air de faire hyper mal. Attendez, on peut l'améliorer. Alors qu'est-ce qu'on fait? La terre, zone d'effet, temps de recharge. Ah, on augmente le temps de recharge. Ça fait l'attaque à distance. Yo. Il y a du pay to fast ou il gagne de la thune sur du cosmétique. Il y a du pay to fast, je crois. Il y a un truc qui s'appelle croissance accélérée. Et du coup, j'imagine que c'est un truc qui est payant. Je suppose, vu que c'est là d'être un objet qui permet de le faire. On va démanteler tout l'équipement qui sert à rien, aussi, au passage. En vrai, le cosmétique, il n'y a rien. Regarde, hein, si tu vas voir en boutique... Regarde, en boutique, genre apparence, il n'y a rien. Tu vois, même si tu mets toutes les classes, il n'y a que ça. Et il n'y a rien pour les démonistes exclusivement. Tu vois ? Il n'y a pas tant de cosmétiques que ça pour l'instant. C'est pas à la Terra où ils te sortent 20 cosmétiques par semaine. C'est plus distillé. Il y a un homme à terre. Un homme à terre! Ah! On a une mission en temps limité. Par quoi? Il faut secourir. Ok, il faut tuer des bandits, donc c'est bon. C'est tellement fort! Ok, donc ça c'est bon. Secourir les nomades capturés. Alors ils sont où? Où sont les nomades? Rendez les nomades! Il est là! Il y en a un là! C'est pas le gambling qui est interdit en Belgique? Le gambling, c'est pas tout ce qui est Paris et tout ça? Ouais, le gambling, c'est tout ce qui est Paris, non, je crois. Je sais pas, hein, je... Parce que je crois qu'en fait, quand tu fais des combats de clans... Ah, de payer pour... Ah oui, d'accord, donc en fait... Mais alors, ça veut dire que Genshin, il est interdit... Il est interdit en... Enfin, tout ce qui est gacha, c'est interdit en Belgique, du coup? Ok, donc en gros, t'as pas le droit de payer avec du vrai argent des trucs aléatoires. Par contre, t'as le droit de payer la monnaie du jeu qui te donne ensuite des trucs aléatoires. Si je suis ce que tu me dis, hein. C'est un boss, ça. Ouais. Ouais, c'est bizarre quand même. Les caisses CSGO. Oulala, attendez, c'est quoi ça? Oh là là, c'est quoi ce truc? Putain, mais on est tous dessus là. Oh là là, le machin il a 100 000 PV. Oh là là! Un world boss. Oh non, on est mort! Oh, c'est la première fois qu'on est mort! Oh, je suis trop triste!
Réfléchissons à ce que nous pouvons faire. Bref. Pour être plus réaliste. Ok, donc c'est un world boss, très bien. Bon, ça fait mal. Ok, j'ai noté. C'est cette musique là, ce fire derrière là, qui ressemble à... qui ressemble à Narnia. Le petit machin, la petite musique derrière, juste un bref instant, et ça ressemble à Narnia. Le petit tan. Attends, mais c'est la meilleure musique du monde. Quand j'ai le cafard, moi j'écoute cette chanson. Le moment, tu sais, en vrai, qui de normalement constitué, qui a kiffé le film dans son enfance, qui dans son enfance a vu le film et n'a pas, quand il entend ce tan, il n'a pas envie de dire pour Narnia et pour Aslan. Toi, t'as toujours envie de le dire, c'est normal. C'est la base. Donc vous voyez qu'il est encore vivant, le world boss. Ils ne me suivront plus, n'est-ce pas? Qui, exactement, qui n'a pas ouvert son armoire avec espoir? Exactement. Qui n'a jamais... Lequel d'entre vous avait déjà réalisé que Narnia, c'était la première adaptation en film d'un isekai? Attendez, il est pas là le world boss. Il était où le world boss quand on a crevé? Quand elle est pas transfo, c'est un peu chiant. Ouah, c'est pas chiant. En vrai, moi j'aime bien, hein. Après, elle a pas sa transfo souvent. Et vu qu'on vient de claquer, et bah du coup, on aura pas la transfo. Attends, on est passé par route tout à l'heure pour choper le world boss. On a raté le world boss là, du coup, non? On l'a raté. Oh, vous devez être... Ah bah si les transfo H24, moi ça me va parce qu'elle est tellement stylée et transformée. Peuple depuis Salon. Allez, venez jeter un œil. Merci, voilà ma sauveuse. Alors, oh putain, on peut avoir de l'affinité avec Tonnerre. Oh merde. Salut Johan. T'en avais marre de regarder Elno? Du coup, t'es venu me voir moi? Non, je déconne. Eh ben écoute, je m'en sors, tu vois, on vient de mourir contre le world boss. C'était un peu triste. J'attendais pas à ce qu'il fasse si mal en fait. Du coup, on est mort comme des pérégrins là. Ah oui, t'es en voc avec. Ah oui, c'est vrai que vous êtes en voc. Je passerai peut-être vers la fin. Vers 21h30. Je passerai peut-être vous voir. Ils ne sont pas difficiles à trouver, il suffit d'ouvrir les yeux. Ok, donc ça c'est bon. Allez un peu gaillasson. Bonjour. C'est bon, on va parler à personne? Bonjour. Chakad, il s'appelle. Bonjour, comment... J'imagine bien la mairie. Bonjour, recensement, comment vous appelez-vous? Chakal. Elle croit que tu l'insultes, la bonne femme à la mairie. Yes, t'inquiète.
En vrai, je fais toujours un peu ça dans les jeux, en fait, quand je découvre, j'essaie de les faire tout seul, genre d'aller rien voir. Et après, de toute façon, je demanderai forcément d'aide, parce que j'ai prévu de faire des vidéos dessus. Donc du coup, il va falloir que je trafoure, que je fouine, que je machine, donc je demanderai sûrement un coup de main à la guilde. N'aie pas peur. Ah, ils sont plus résistants dans la grotte secrète de tout à l'heure. Avant ça. Ok, donc ça c'est fait, parfait. Ce fut, ma foi, fort rapide. En vrai, je sais qu'en général... Ah, mais je sais pas si... Je sais pas, Faron, du coup. Parce que la guilde, je crois qu'elle était réservée au moment du serveur d'Elno, les poissons. Du coup, faudra voir avec Elno. Ou directement avec Finch, qui dirige la guilde, du coup. C'était ça, Johan, non? La guilde, elle était pas juste pour le serveur des poissons? Ça doit être Faron, hein, in-game, son pseudo. Farons, avec un S. Regardons. Pseudo déjà pris. J'avoue, c'est con. Inspecter le deuxième endroit. Je touque. Ah, donc ça c'était le troisième. On a raté un endroit du coup. Par là, je dirais. Incroyable. Tellement fort. Bon, est-ce que vous sentez la nuance de gameplay par rapport à hier? Est-ce que vous sentez que j'ai appris à jouer à ce genre de jeu? Examinons l'inscription sur le monument. Où est le monument? Allez là! En fait, j'avais jamais joué à un MMO au clavier de ma vie avant. Pour vous donner toute la vérité, rien que la vérité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai train aujourd'hui. En vrai, je vous la mettrais bien, la musique du monde de Narnia, là, tout de suite, là, pour le fun. Mais comme je vais mettre la rediff sur YouTube, on va se faire strike sur YouTube si jamais je la mets. Du coup, on peut pas. Vous avez vu les monuments? Vous avez vu les portes de Morai s'ouvrent grâce à l'eau? La réponse se cache sans doute dans les... S'il vous plaît, allez parler à Tonnerre. Les monuments? Salut, Sfire! Oui, je m'en souviens. Rendez-vous à la réunion. Ah bon, pour le replay d'hier, je vous ai pas coupé le début. Donc là, j'essaierai de vous couper le début. Mais des fois, en fait, en vous coupant le début, bah, c'est pas prêt à temps. C'est pour ça que des fois, je vous le laisse. Du coup, étonné qu'on va pas mettre le monde de Narnia, je vous la chante. Moi-même. Elle a mémé, elle a de la force, hein! Putain! Ah, elle déboîte, mémé, hein! Depuis le lieu de rencontre des nomades, on peut admirer une vue panoramique sur le désert de Yuda. Veuillez écouter que les dieux veillent sur les déserts. Oh putain! Ah d'accord, bah ils sont nombreux là quand même, hein.
Hop, n'hésite pas à rejoindre le Discord de l'ami pour les synchroniser les infos de la guilde. Yeah. Allez, amenez la suite. Oh, j'ai visé comme un pied là. Et alors, comme un pied. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne vous échapperez pas. Tu vas voir, je vais te défoncer, toi. Mon familier n'a rien becqueté depuis des jours. Il crève la dalle. Ah, des couilles. À tous les coups, c'est son familier qui va me péter les couilles. Non, pas moi. Mais vraiment là? On l'aide ou pas? Est-ce qu'on l'aide? Bien que ce soit vraiment très sympathique de le regarder se débattre dans la gueule d'un lombric géant, est-ce qu'on l'aide? Est-ce que ça a une importance pour la suite du scénario? Farron, je te laisse me dire, les choix sont importants. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais je le sauve? J'ai envie de voir ce que ça fait, moi je l'ai laissé mourir. Ah bah attends, on essaye alors. Maintenant on défonce le lombric, j'imagine. Effectivement, elle est très corrompue par le mal. Ah la vache! Ah, le pouvoir du scénario, c'est puissant quand même, hein. Ça a dû également leur briser le moral. Waouh! Ouais. Attendez, j'ai une petite peau, voilà. Ça allait me surlupiner sinon. Journal d'aventure. On a gagné plein de trucs. Hop. Je suis arrivé à la capitale du continent. Bientôt le bateau. Le fou, il est sur Lost Ark. Alors qu'il y a une mâchoire frame. Mais j'ai déjà regardé la mâchoire frame. On l'a fait demain, la mâchoire frame. On l'a fait demain, la Major Frame. On va aller farmer les liches pour avoir le zar que je n'ai toujours pas. Excellent. Oh, putain, il y a la vieille mic. À vous et au prêtre. Salut, tonnerre la mic. Pas mal comme surnom, ça va. On l'appelait comme ça. Je vais préparer le rituel. J'espère que le sort de tonnerre fonctionnera. Tonnerre la mic.
Waouh, on a des cartes. Ah, il nous faudra tonnerre la biquette du coup. Ah bah spoiler, la moyenne de la France c'est bien bien fort. Ouais, ça m'avait semblé aussi hein. Parce que du coup ça fonctionne qu'avec Fra... mais ça fonctionne avec Ghost aussi. Si jamais t'as un Ghost avec toi, ça fonctionne aussi, non? Adieu Yudia. Ah, on va bientôt changer de zone. Les mecs, on va changer de zone. D'abord, il faut aller chercher le sel solaire. Parce que, en gros, concrètement, ça change quoi dans la manière de jouer Frost? Est-ce que ça change fondamentalement son build? Genre, tu ulti, tu congèles tout le monde, et après tu les dégommes avec tes armes? Ça peut faire l'affaire, mais... En faisant des beaux crits rouges? Ça ne suffit pas. C'est du sel solaire? Oh, comme c'est beau. Maintenant que vous avez apporté le sel solaire, nous pouvons commencer le rituel. Placez l'offrande sur l'autel. Le sel sur l'autel. Plaçons sur l'autel. C'est parti. Oula, il se passe un truc. Oh putain. Le scénario toque à la porte. Attendez. Attends, mais ça fait pleuvoir. What? Il pleut! Il pleut dans le désert de sel! Waouh! Regardez! Ça brille! L'eau, elle s'en va! L'eau s'en va! Ou pas? Ah! Nos premières boucles d'oreilles, je crois. Ouais. Alors, démanteler. C'est parti. On va démanteler ce qui nous sert pas, hein. Ça sert à rien d'y garder. Ça sert, Farron, de garder les trucs qui servent à rien ou on démantèle? Genre tout ça là. Tout ça, je démantèle ou je démantèle pas? Cité antique tombée dans l'oubli. Oh, est-ce réel? Ah, on a trouvé Morai. C'est ce que voulait dire le monument. Finalement, Morai n'était pas... Attendez, ce sont des ruines. Maintenant, on a accès aux ruines. J'ai craché sur mon clavier tout à l'heure, c'est quand même terrible ça. Mmh.
Donc là, il va falloir quoi? Trouver l'entrée des ruines. Ouais, j'imagine qu'elles vont pas être trop compliquées à trouver. Ah, bah, elle a trouvé l'entrée des ruines, je crois. Putain, ça, c'est le piaf du méchant, ça. Ça, c'est le piaf du démon de merde, là. Qui voilà l'entrée. Bien. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Allons nager dans une eau étrange, pleine de sel. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai que... Le royaume déchu de Norai. C'est vrai qu'il y a des trous dans le plancher dans ce jeu. Allons-y, hein, écoutez. Hein. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Est-ce qu'on le tente en mode difficile? En vrai, allez, on va tenter en mode difficile. Les trucs stylés en mode difficile. Mais tout à l'heure, j'ai galéré de ouf en mode difficile. Au début, ça va, mais contre certains boss. Après, tout à l'heure, il y avait plein de plantes de merde. Peut-être qu'il y aura moins de plantes pourries. Régulus, roi des dieux. Hein? Tu veux pas allumer une torche avec ton... avec du feu? Tu dois nous aider à trouver la voie. Dépêchons-nous de fouiller ces ruines. Ah d'accord, très bien. Oh, okay. Ah en fait, les créatures craignent la lumière. Pas passé loin. Attention où vous mettez les pieds. Dit le mec qui est passé sans problème. Ce glyphe semble réagir à la lumière. Attention, le sol est glissant. Voilà, il y avait une tête de squelette, je sais pas si c'est très bon signe. Hein. Seule la lumière de la Genèse repoussera les ténèbres? Quel en est le sens? On doit pouvoir avancer. Cette brise, elle vient de ces pierres. Une brise? Les ruines doivent être par là. J'ouvre la voie. C'est une brise. Ah mais c'est vrai qu'il a la lumière qui tombe du ciel, lui. C'est stylé par contre, c'est vraiment très très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Spoiler, c'est là qu'on va. Les habitants de Morai. Maudit, qui leur a fait cela? On s'en fout, on les défonce!
Je sais bien que je tapais vite. C'est l'autre qui me buff. Trop nombreux. J'emprunte un autre chemin. Filez. Filons alors. Wow. Wow. Le truc de touche une fois et ça y est, c'est la débâcle. Oh là, il y a un truc. Ah, c'est la... Incroyable. J'ai eu mal. On sent bien le mode difficile quand même, hein. Ouh. Heureusement qu'on a masse potion, hein. Hop. Ok, l'eau est en train de s'ouvrir. Ok, faut aller là-bas maintenant. Ça pue là, là il va en arriver plein. Ils font mal les sorciers, hein. J'ai essayé de voir pour me procurer le jeu. Si je le chope, j'ai rien de me faire baniquer mon compte Steam. Je vais m'acheter Diablo sûrement à un moment. Ah bah dès que tu as Diablo, tu me tiens au jus, hein. Pour être PL si tu veux, comme je fais avec Spire souvent.
Après, le truc, c'est qu'avec Diablo... Enfin, le truc avec Diablo, en fait, c'est que c'est bien de le faire une fois, normalement, pour avoir l'histoire, en fait. Putain, mais... Oh, mais ils font tellement mal, les sorciers, par contre. Alors, calmez votre cul, hein. Le reste, évidemment. Ok. Si on est... Après, j'ai jamais joué au 1 et 2. Non, en vrai, moi, j'ai jamais joué au 1 et au 2 non plus. J'ai découvert l'histoire du 1 et du 2 après avoir fait le 3. Hein. Juste qu'en fait, celui-ci est entièrement centré sur Diablo. Là où le 1 et le 2, en fait, Diablo, il est présent, mais ça tourne aussi autour de ses frères. Bah, les Mephisto. Ça marche. Après, si jamais... Pour pas être perdu dans l'histoire, il y a plein de livres dans le jeu, en fait, qui te permettent d'en apprendre plus sur les différents persos. Et d'avoir un petit peu le lore. Genre, par exemple, Acheron, t'as l'histoire de Baal quand il a envahi la montagne monde et tout ça. Tu en penses quoi de Star Citizen? On m'en avait parlé, mais j'ai jamais regardé à quoi ça ressemblait. Ça a quelle gueule, Star Citizen? Je sais même pas ce que... Quelle gueule ça a. Ouais, on pourra regarder après le live, si tu veux. Pourquoi j'ai des pôles, hein? T'as vivement le niveau 50 et qu'on passe notre vie en mode transformé, hein. Je crois que vous l'avez jamais vu, la transformation, parce que la seule fois où je l'ai utilisée, c'était en off. Du coup, on essaiera d'utiliser la transformation contre les boss très puissants. Mais il faut que le truc central, en fait, soit plein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, j'ai eu si mal! J'ai vu ma vie défiler là d'un coup là. Ah non! Ah non! Ferme-toi! Ça m'a ouvert une page et du coup ça a empêché de me battre! On a gagné un collier! C'est une pièce d'équipement qu'on n'avait pas encore. Ah, en vrai, on gagne de l'équipement style et en plus, on va gagner plein de trucs violets à la fin. Donc du rare ou du épique, je sais pas comment s'appelle la rareté. Ok, donc ça c'est... Oh putain de merde. Oh putain de merde. Putain, je suis coincé, non. Pas mourir. Pas taper. Oh. J'ai quitté en dehors de la fenêtre. Du coup, ça m'a... Oh putain. Oh bordel, j'ai eu si peur. J'ai cru qu'on allait mourir, hein. J'y ai vraiment cru. Oh, dites-moi que c'est la dernière. Donc là, du coup, on cherche le sceau de l'épée. Oh putain, un clip de Destro. Putain, un...
Destro panique. J'ai vu. Tu me diras ce que tu penses de la miniature de la vidéo de ce soir. J'essaie de combiner un petit peu les deux styles de miniature. Destro panique. Mets-le dans le clip, hein, y a un salon clip. N'hésite pas à y mettre dans le salon clip. En plus, ça donne point d'XP ce donjon de merde. Putain, mais je me suis raté, mais t'es sérieux là? On vous voulait une bonne nouvelle? On est chargé à bloc. Ça veut dire qu'on va pouvoir se transformer si jamais le besoin s'en faisait sentir. Ce qui devrait logiquement pas trop tarder. Oh, attendez, on a gagné un cadeau. À pouvoir se transfo du coup. On peut se transformer si on veut, donc contre le boss, on pourra se transformer. Il nous faut le saut de l'épée, ça fait partie des deux éléments indispensables à avoir pour pouvoir affronter, pour pouvoir libérer l'arche. Oh putain, qu'est-ce que c'est cette merde? Oh là là. Ah, attends, il doit y avoir un truc. Ok, c'est les dalles qui tremblent. J'ai compris. C'est un peu comme les défis dans Genshin. Le même concept. Ok. J'ai un peu peur là, je vous avoue. Parce que là, ça pue le boss là quand même. Hein. Ou en tout cas, ça pue le piège avec les... Oh putain. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette... transformation hein, du coup hein, on va pas. Fais gaffe à la vie, fais gaffe à la vie. Putain, mais pourquoi ça a ouvert le menu? Mais ça me fait chier. Pourquoi ça a ouvert le menu? Ça a ouvert le menu comme un gros débile. Je comprends pas. Mais non, putain, on est mort en pleine transformation. Ça va être du coup, il est tellement fort parce qu'on est en mode difficile. Putain, j'arrive pas à esquiver assez vite. Putain, on en a tellement chié.
Oh bordel de merde. Comment ça, c'est pas fini? Mais quel truc de connard! Tu vois pas qu'il y a encore un boss après? Mais pourquoi j'ai voulu le faire en mode difficile? Expliquez-moi. Heureusement que des potions, on en a plein. Hein. Et de manière générale, on s'en sert pas. C'est à chaque fois sur les mêmes touches que je galère. J'ai pas encore assez de train, j'ai encore du mal avec cette même touche. Là ça va. Là pour l'instant ça va. C'est vrai que faut que j'y pense que sur D on est. D c'est comme une esquive. Donc faut que j'y pense. Enfin sur le D c'est comme une esquive. Très bien. Appuie sur G s'il te plaît. Merci. Faudrait que je colle le D sur ma souris. T'es bon quand vous arrivez à des merdes. Ça va, il tank pas beaucoup lui. Ah, c'était un boss. Oh putain, ils m'ont fait peur de ouf! Ok. Pour l'instant, on est bon. Ok, j'avais anticipé le mage du coup. Y'a un truc que j'ai pas fait là que je peux pas l'ouvrir. Ah bah non, faut la casser. Oh là là, je le sens pas là. Là ça pue la merde. Là ça pue le saccage là. Prépare-toi à clipper Ice hein, si jamais je regalère. A chaque fois quand je suis dans la galère, je bégaye et du coup j'arrive pas à toucher mes touches. Ok, on arrive jusqu'ici.
Je galère ma race. Prochaine fois, on le fait en mode normal, le donjon. Hein. De la surface s'infiltre. Action ! Trouvez-les ! Trouvez-les ! Je les sens. Putain, ça c'est la bosse. Trouvez-les ! Ils sont là ! Trouvez-les ! Trouvez-les-moi ! Trouvez les intrus ! Voilà. On commence par diviser le... le troupeau. Voilà. Ok, ça c'est fait. Mais non, mais pourquoi? Mais j'en ai marre, ces potions qui soignent rien. On voit plus rien quand elle se transforme. Putain, mais t'as vu les dégâts qu'elle me fait? Mais regarde-moi ça! Elle me met un coup, je suis mort quasiment. Putain, ça m'a donné chaud. On maîtrise pas encore la transformation, hein. Chaque fois qu'on utilise la transfo, on se fait défoncer, hein. On n'est pas encore au point. Ok, ça c'est bon. Dis-moi qu'on arrive au bout là, parce que ça commence à être chiant. Ou alors c'est le donjon le plus long de la Voie Lactée. Ah ouais, là ça sent bon la fin là. Dis-moi pas qu'il faut inventer ce truc ou je m'énerve. Oh là là. Allez, on va changer de potion. Parce que c'est chiant là.
Voilà, c'est une, des potions qui potionnent un peu mieux, parce que là, c'est la merde. Hein. S'il faut affronter le gros machin, on va se faire défoncer. Du coup, on va en utiliser une avant le début. Comment tu veux qu'on gagne contre ce truc? Ok. Ok, donc ça, ça le repousse pas. Faut la jouer fine parce que... Sinon il va nous défoncer. On l'a eu, je crois. Ou alors il y a une deuxième étape. On est d'accord que le nombre de trucs là-haut, c'est le nombre de vies. C'est-à-dire qu'il a 3 vies. Ce démon est enveloppé d'ombre. Nous devons la percer avec la lumière. Encore un peu. D'accord, donc en fait il a 3 vies. Oh putain. Oh là là. Oula. Ok, il faut éviter les zones d'ombre par terre. Ok, donc il va refaire. C'est le moment. Placez le miroir d'or au soleil et dirigez la lumière sur Thanatos. Détruisez son énergie maléfique. C'est parti. Allez. Allez. Putain, il va remettre le couvert. Bon, c'est là qu'il est le plus fort, logiquement. La récompense a intérêt à être oufissime sur ce donjon. Parce qu'il est devenu méga rapide. Notre ami Jackie là. Yeah.
Ah d'accord, on est apeuré. Heureusement qu'on l'a des attaques à distance, parce que en full cac, c'est super chaud de l'affronter. Hein. Ok, le miroir. C'est parti. Allez, crème. C'est le sceau de l'épée. C'est la première clé de l'arche. Le sceau de l'épée. Ici, depuis des lustres. Oh, on a la première clé de l'arche. Ah ou pas? Bon travail. Mais je vais prendre ce sceau. Attention! Tu fais barrage de ton corps, idiot. Pas mal du tout pour un demi-démon. Mais tu n'iras pas plus loin. Le sceau. Idiot. L'ultime fois. Tu prétends être humain. Mais voilà qui tu es vraiment. Voilà. Ce sceau, il est à moi. Oh mais le combat il est stylé en plus. Oh là là, où ça fait la merde. Waouh. On s'en branle, on récupère le sceau et on se barre. Putain, y'a un méga coffre en plus après. Oh là là, là il y a d'avoir des trucs stylés là-dedans. Bon, j'imagine qu'on a fini ici. Bon. Bah, on aura fait tout ça du coup. Parler à tonnerre. Bah on se barre du coup. Vu qu'on nous fout dehors. Mais en vrai leur combat il était méga stylé hein. Genre vraiment très très classe. Elle me saoule cette peau. Par contre c'était le donjon le plus difficile qu'on ait fait depuis le début. Hein. Ça c'est quoi? Oh. On a eu un objet sympa du coup. Ah là là. Heureuse de vous revoir. Vous avez l'air d'aller bien. Ok, il faut aller voir. Il faut aller voir Comet maintenant. Elle s'appelle Comet, notre future madame. Sur la colline d'Ozorn.
Au final, on a eu de l'XP quand même, in fine. Oh, ça a pas l'air accueillant, hein, cet endroit. Hein. Ça a pas l'air très accueillant. Jeu du meilleur acteur. Prix du meilleur acteur. Oh, le temps passe vite, les mecs, ça fait déjà 1h40 qu'on est en live. Ça passe tellement vite. Ah, on aura une nouvelle... On aura une nouvelle zone secrète à faire quand on aura fait ça. Oula, là, il y a un big donjon là. Oula. Vu la gueule de l'icône sur la carte, c'est un donjon. C'est pas rien. En mode normal, on y arrive tranquille, mais en mode difficile, genre ils font vraiment mal. Hein. Oh, il y a des cactus géants. Les cactus avec des têtes de génésectes. On a tellement de trucs à faire. Regardez, en bas, tout est en rouge. Genre, on a masse truc à regarder. Maintenant que nous avons repoussé les bandits, les démons sèment le chaos. Ça, c'est une monture qui est dans un coffre de la boutique, ça. Allez, c'est parti, on va essayer de trouver le donjon secret. Essayons de trouver le donjon secret. Alors. Maintenant que nous avons repoussé les bandits. Les démons sèment le chaos. Si on se fie à la map et à la forme du truc, qu'avons-nous fait pour subir un tel c'est ici. Est-ce à cause d'une antique malédiction? Allons-y. Exterminer les locustes. Ça s'est fait. Détruire les sculptures dans les ruines. Hein? Quelle sculpture? Ah ça? Alors allons-y.
Ah, qu'on me dise un jour où est-ce qu'on les échange ces récompenses en forme de cœur là. Ouais, c'est par là. Là, il y a le truc secret là. Ça, c'est un boss ça. On a trouvé une clé qui avait été avalée par un coffre qui n'était pas un coffre. Normalement la zone secrète elle est par là. Là, on l'a. Donjon secret. Allez, on est dans le donjon secret. Place de un intent insecte. Ok. Bon, ils font pas très mal, mais j'imagine que le boss fait très mal, comme tout à l'heure. Ah, mais regarde, là, il y a une porte à droite. Ok, donc il faut explorer et ensuite on va sur la droite, c'est ça? Non, là, c'est pour sortir du donjon. Ça veut dire que le boss est ailleurs. Genre là, j'imagine. À vue de nez. Voilà. Putain, c'est une fourmi ailée géante. Allez, au revoir. Ah, ça a été tellement rapide. On l'a défoncé. Et on a eu des trucs stylés. Ouais. Pas mal, des boucles d'oreilles sympas. Et ça c'est quoi? Les mimiques ne sont pas des fines bouches apparemment. Clé avalée par un mimique. Alors faudra savoir à quoi servent les clés avalées par un mimique du coup. Pour l'instant on ne sait pas. Par là qu'on sort du coup. Hein. La carte n'est pas dispo. Achet. Bah du coup on part. Est-ce qu'on peut le refaire? Je crois pas. Hein. Ouais, ça consomme la carte. Ça consomme la carte. Dommage, on aurait pu farmer. Récupérer les fragments de reliques. Récupérons les fragments de reliques. Et voilà. Ensuite, où coq donc va-t-on? En bas. Mais du coup, Ice, tu sais pourquoi une telle réglementation en Belgique comparée aux autres pays? Je crois Lost Ark il est interdit en Belgique et dans les Pays-Bas. Mais c'est étrange une telle d'être aussi strict. Je suis désolé. Oh. Vous m'avez trouvé. Je combattais un démon quand soudain, je me suis retrouvé ici. Je m'inquiète. Il me semble que c'est pour éviter que les enfants se fassent avoir avec des jeux d'argent.
Ah bah dans un sens c'est sympa en soi mais ouais parce que du coup en fait tu peux même pas mettre le contrôle parental parce que personne ne l'utilise le contrôle parental. Du coup tous les enfants le feraient quand même en fait. Ouais je comprends. Sur le principe je comprends, après c'est chiant. Récupérer la sève des cactus Walou. Tiens d'ailleurs je voulais te demander Ice, tu es belge de base ou tu es allé habiter en Belgique après ta naissance? Ou tu es d'origine belge? Je suis belge, ok. Incroyable, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on améliore? Attendez, mais on a un nouveau sort et j'y avais pas vu. Mais si, on a déjà celui-là de base. On l'avait du départ, celui-là. Ah bah non. Mais non, on l'avait pas. C'est un nouveau. C'est un nouveau, fais voir ce que ça fait. Ah d'accord. Bah écoute, oui. Pourquoi pas? Vous avez encore jamais vu? Qui êtes-vous? Un puissant démon humanoïde est apparu. C'est la première fois que j'en entends parler. Ça faisait longtemps que tous les clans ne s'étaient pas réunis. On est en train de réunir les clans nomades là. Si jamais il y a une dispute de famille, on n'y est pour rien. Hein. 83, 84. Il compte ses pièces là. En tout cas, cette nouvelle compétence, elle est vraiment très très stylée. Hein. C'est le moment de riposter. Elle aurait peut-être pu nous servir pendant notre combat contre... l'autre, là. Il a donné son nom avant, mais je sais plus ce que c'était. Attendez, on va faire quelques modifications sur les compétences. En fait, on va passer ça ici. Parce qu'on n'aura pas besoin de tout le temps, je pense. Hop.
Ok, c'est parti. Allez, le cheval. Attends, on se rapproche dangereusement du donjon. Hein. Ah, ils sont dirigés vers la grotte de... Vous avez dit de venir m'aider ? Les dieux soient loués. Hop. Mission accomplie. Faut qu'on fasse quoi? Ah oui, vaincre le démon. Bah, on tape. Du coup. Ah merde, je pensais qu'on allait au donjon. En vrai les gars, je pense qu'on va faire le donjon, celui qui reste là, et après je pense qu'on va arrêter pour ce soir. Merci pour votre aide. Grâce à vous, nous avons repoussé l'attaque des démons. Et il va être où, Père Armel? Par là. Allons-y. Ah, du coup, c'est lui qui l'a pris. Vilain. On est toujours là-haut ? Pardon. Ça c'est un boss. Voilà, ça c'est fait. J'ai ouvert l'œil sur la route pour venir ici. Mais aucun signe du démon. À en juger par la directe, nous nous reverrons au Lutheran. Ok. Nous nous reverrons au Lutheran. Parlez aux marchands. On va pas aller le faire ce donjon là ? Oh, vous êtes l'aventurière dont le prêtre m'a parlé. Je vous ai gardé une place. Ah mais ça veut dire que là du coup on change de zone. Ah mais attendez, d'abord on va aller faire le donjon. Histoire de se faire défoncer un petit peu. Vite fait comme ça. Oh là là, Elno. Coucou Elno, coucou les culs de chat. Bah t'arrives juste pour la fin, tu vois, je viens de dire qu'on allait faire un dernier donjon et après je rends l'antenne. Aria aussi il a rendu l'antenne d'ailleurs. Après je sais pas, il a fait 30 heures je crois Aria. T'as des morts.
Il en arrive toujours. En tout cas, bienvenue à tous. J'espère que c'était bien. Ça vous change pas trop le jeu, hein. On est sur Lost Ark ici aussi. Bon. Ok. Je rends l'antenne par obligation. Bien, bien, faut le dire vite, c'était super bien. Bon, on le fait en normal cette fois, hein, parce que le donjon de tout à l'heure en difficile, j'ai failli mourir, moi. Exactement, bien profiter du jeu. En vrai, il y a moyen que je mette la guilde à contribution pour faire des vidéos. Hein. Ah oui, d'accord, genre, boss direct. Genre, pas le temps de niaiser. En fait, c'est que des boss, c'est ça. Ça m'a l'air d'être ça, hein. Ça m'a l'air d'être que des box. Que des bots. Ok, donc ça c'est fait. Ah, c'est dégueulasse, ça, par contre. En tout cas, certains boss qui ont un minimum de classe en eux. Autant là, fais-toi plaisir si tu fais des vidéos de Lost Ark, il y a des membres de la guilde que ça pourrait peut-être aider, donc let's go, allez. Après, comme je disais, je suis pas expert dans ce genre de jeu, moi, hein, du coup, je... C'est le premier auquel je joue vraiment, les autres, c'était surtout pour tester. Oh là là, et oh, 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 oh. Salut Iridion. Ok, donc on peut pas aller par là. Neutraliser la force des cadavres. Ah d'accord, en fait il reste un cadavre. Ok. Après ouais, j'ai pas trop l'habitude, mais bon, ça fait quoi? Ça fait je sais pas, ça doit faire Du coup, je dois être à 10 heures de jeu, un peu moins. Peut-être 7. Du coup, on finit par prendre certains réflexes. Et encore, certains sont pas encore tapés au point. On l'a vu tout à l'heure contre... contre un des boss, je me suis fait défoncer. Il était trop fort. Attends, mais ils sont pas morts, hein. Attends, mais c'est comme dans Ratchet & Clank, genre quand tu tues les gros, ça fait des petits. C'est chiant. Oh là là, oh là là. Oh non, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai fait la boulette. J'ai appuyé sur le truc. Puis après une semaine de bêta, on a envie d'utiliser tout. Je veux que ça Warframe après le nous. Ah ouais, moi non, parce que à Warframe, je joue à la manette. Donc je peux pas confondre avec les touches de Lost Ark où je joue au clavier. Ouais, moi je joue manette sur Warframe aussi. Hein. Je joue manette sur PC, moi, c'est ça qui est terrible. Mais, ils sont où les orbes? Ah, ils sont là. Ok, ça c'est fait. On poursuit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous n'êtes pas beau! Mais tes os, j'avais envie et tout, je le Stark. Ah ça je comprends par contre. Oh putain lui c'est un big. C'est-à-dire que quand je vais le tuer il va en pop d'autres, non? Ok. Faut que je miam. Bah miam bien. Bon miam. Moi je miam avant mes lives, moi je fais l'inverse d'Elno.
tout cas, vivement qu'on monte en niveau et qu'on puisse utiliser la transfo plus souvent, parce que c'est relou. De pouvoir se transformer aussi peu souvent. Oulala. Oulala, dans quoi je m'embarque là? On les défonce. On est en train de défoncer le donjon. Hop là. Hop. Il y a des trucs à péter apparemment. Éliminer les points larves vert amélioré. Ah, c'est eux ça. Ok, donc ça c'est bon. Oh mais non, il y en a plein encore. Au fait, pendant que j'y pense, pour ceux qui l'ont et qui l'ont pas encore fait, sur Twitch, vous avez des cadeaux pour Lost Ark. Pas des trucs à regarder les gens, mais vous avez des... Avec Prime Gaming. Vous avez des récompenses, si vous les avez pas récupérées. Pensez-y, ça peut servir. En plus, ça se met là-haut dans vos mails, du coup, vous pouvez les récupérer avec le perso que vous voulez. Oh putain, qui c'est qui a chié dans l'évier? Oh là là. Oh là. Ouais d'accord, j'ai pas eu d'hallucination, hein. C'était bien écrit, essaye de manger les raviolis. C'est pas moi qui ai un problème de vision. Allez, au revoir. Monsieur les raviolis, là. Je pensais qu'on avait tout tué, ces gros machins de pourris, là. Et là, il reste... Oh là là! Alors, ça, je suis pas trop confiant, là. Je savais pas trop ce que ça faisait, donc... C'est pour revenir en arrière, ça? Ah non, ah d'accord, il y a une zone cachée. Attendez, on y va. Ah, une zone cachée. Elle est cachée autant que moi devant l'écran, quoi. Pas vrai.
Décidément, il m'inspire pas ceux-là. Hein. Chaque fois que je les vois, je prends peur. Les gros géants moussus, c'est pas trop mon délire. Ah putain, c'est le boss ça. Pour la collection. Hop là. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oh là là. Voilà, merci Salam. J'ai entendu un bruit derrière ma porte, c'était très étrange. Donc ouais, c'était juste un boss supplémentaire ça. Ah non, on a gagné un truc. On a encore gagné une aura cristalline. Ok, donc ça c'est bon. Il nous reste quand même encore des maps secrètes à faire. Quoi? Attendez, quoi? C'est quoi qui me suit là? C'est quoi cette tenue dégoûtante avec un truc dans le dos là? On dirait qu'on a un raton laveur sur le dos. Putain, il est là le boss. Bordel. Oh, il m'inspire, mais alors pas du tout. D'accord, donc en fait ce truc te stun, ok. J'ai compris le délire. Ok, donc il a rendu l'âme, c'est bon. J'ai encore fait taper par le truc de peur. Oh, le saignement par contre, ça a l'air de rigoler zéro dans ce jeu. Alors, c'est pas pour les nazes hein, le saignement, hein. Ça a l'air de faire mal quand même. Hein. Voilà. Ah mais c'est toujours pas le dernier boss. Mais putain, mais les donjons ils durent 25 ans dans ce jeu. À côté, là, d'accord.
pas de chance à toucher l'autre. Ouh, je suis un peu deg. Putain, mais ils sont deux en même temps là maintenant. C'est bon, il y avait un globe de récupération. Donc c'est bon. On est au fond, il n'y a plus rien après. Oula, 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 oula. Allez, tiens, mange ça, toi. Allez. Au revoir. Donc il s'appelle Carmine. Fatigué, tu devrais te reposer. Et ce, jusqu'à la fin des... Carmine ! Vous croyez, allez. Tout cela ne suffit toujours pas. À ce rythme, il me faudra... Ok, ok, du coup il est balèze. Est-ce qu'on a fait le donjon avant d'avoir besoin de le faire et du coup on a eu la cinématique en avance ? Bon. Et ben voilà une bonne chose de fait. On va voir ce qu'on a récupéré un peu de partout. On va regarder un petit peu, donc ça on récupère. Paquet de cartes inhabituelles à légendaire. Ça c'est pas mal. Là du coup c'est ça. L'inventaire, donc on va faire ça. Ouvrir 10. Oh, on en a une légendaire. Ça veut dire qu'on a une carte légendaire. Carte Azena et Yana, ok. Putain, du coup on a eu plein de cartes. On a eu plein de cartes. Vous savez, j'adore les cartes. J'adore le jeu de cartes. Ça veut dire qu'on a plein de cartes maintenant. Oh là là. Elle est où notre légendaire? Oh mais elle est stylée en plus. D'accord. Là par contre du coup c'est vrai que ça va renforcer le set. Donc ça c'est bien. Là par contre on a eu des trucs qui ne servent à rien. Ce qui est un peu chiant. De toute façon, on va arrêter Ice hein, sous peu là. Réduction de dégâts de terre de 8%.
Hop, donc là on est bon. Journal d'aventure, on a encore fait un truc. On a encore une carte. Ah, ça l'a compté le géant de sel. Du coup, ça a compté le géant de sel de tout à l'heure. Satané démon, il en arrive toujours. Hop, et voilà. Bon, du coup, les mecs, on va s'arrêter là. C'était encore bien sympathique. On continuera la semaine prochaine. Parce que là, on est, du coup, on est mercredi. Donc, demain... Demain, on fera peut-être du Warframe. Je pense que demain, on fera du Warframe. On étudiera la mise à jour. Demain. Et vendredi, peut-être qu'on reviendra sur le Stark. Peut-être. En attendant, vous avez le récap qui est dispo sur YouTube et le replay de ceci qui sera disponible demain midi. En attendant, du coup, de vous retrouver demain soir pour un autre live, je vous fais des très gros bisous et je vous dis bonne soirée et encore merci à Elno et à sa communauté pour le raid. Des bisous, passez une bonne soirée. À demain. Ah, tu veux le juste prix. Ah, attends. Les mecs, c'est parti, le juste prix, à demain. Bip bip.